Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi en stream. Cet après-midi, on va continuer à monter des Lego. On va continuer comme hier la suite du château de Poudlard avec la grande tour aujourd'hui. Ça devrait être assez cool et avec le bureau de Dumbledore en haut. Bienvenue Loulou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à vous. On va commencer par mettre de la musique. On va repartir sur un plus grand classique, on va faire du FF14 aujourd'hui. Hop. Alors, pour information, la dernière fois, on en est arrivé là. On est dans cette vue-là parce que... Je peux plus vous montrer avec la caméra qui est devant moi, en fait c'est trop... Et voilà, du coup on a fait hier tout ce qui était grande salle et la cour intérieure. Voilà, ça va bien, on va tant mieux, impeccable. Bienvenue à vous qui n'aimez pas le football non plus. Nous on va plutôt monter des Legos plutôt que de regarder la finale de la Coupe du Monde. Voilà, et donc en gros, bah ici, oui, on a, c'est trop haut maintenant, mais on a la grande salle qui est faite avec la cour intérieure qui est là, donc ça rend vachement bien, je suis content. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va monter la tour qui va là, comme vous pouvez le voir, au-dessus de moi, on va monter les sachets 16 à 21. Ce qui va nous faire en fait toute la partie ici, comme ça va monter, et ce sera cool. Pardon pour ça. Alors, il va falloir juste que je rejaille... à l'endroit où ça commence et on va attaquer directement. Donc ça c'est tout ce qu'on a monté hier après-midi. Hop, là on est allé trop loin. Paf, et voilà, du coup aujourd'hui vous voyez, on va attaquer assez vite a priori, on va commencer à monter avec toute une face là qui va se faire directement dès le premier sachet. Donc on va vite être bloqué à nouveau en termes de hauteur sur la caméra qui est devant moi. Hop là. Ça commence bien. Et là. Voilà. Alors, c'est parti du coup avec le sachet 16. Et je vous rappelle du coup aussi que vous pouvez faire monter les points de Gryffondor en utilisant des points de chaîne pour qu'on fasse assez vite la troisième partie de cette construction. Ok, et on va commencer du coup par la construction d'une minifig. La chef de Pouf Souffle. Avec donc du coup une double tête comme ça. Attendez, pardon, il faut une cape avant. Cheveux. Et là, la coupe. Ici. Ah,
Et elle a une baguette. Alors les baguettes, je vais faire un truc maintenant, c'est que je vais garder les modèles qui sont comme ça, qui sont pleins. Et je vais plutôt prendre dans tous ceux-là qui sont entamés. Donc si j'en ai de la même couleur, je vais prendre ça. Et comme ça me fait garder un truc complet. Hop. Ça par exemple, toute mon couleur. Donc je vais garder celle-là de côté. Ça me fera des pièces en rab si à un moment j'ai besoin. Je vais faire ça maintenant sur le set Harry Potter. Je vais regarder si j'ai d'abord la bonne couleur en baguette déjà ouverte. Hop. J'en ai une là d'ailleurs. Autant de difficultés à mettre les baguettes. Hein. Ouais, elle veut pas rentrer celle-là. Voilà. Et voilà, et du coup on a Madame Poufsou. La mini figurine qui va aller sur son stand à côté de Gryffondor. Voilà pour ça. Allez, c'est parti, nous on attaque la construction, du coup on va directement sur le château. Comme ça et deux comme ça. Alors. Et en train de faire la base de la tour. On met ça de côté pour l'instant et on va faire une petite construction à côté. Parce qu'il va savoir, en plus dans cette tour il y a l'escalier qui est le grand escalier, donc qui va tourner également.
3 et 2 petits comme ça. Et salut Kylian, bienvenue, comment vas-tu? Moi ça va bien, merci. Wow. Je fais des Lego, donc ça va toujours. Ah super, bon attendu. En train de commencer la base de la tour qui va aller là. Et bah, on est en train de faire la base aussi, oui, c'est la tour dans laquelle il y aura l'escalier. Donc on va faire la base de l'escalier. Ok, next 2 comme ça. Deux comme ça. Alors. Lundi prochain, tu pars en vacances. Attends, mais c'est cool ça. Tu vas où? Pas indiscret évidemment. Voilà, et ça tourne. C'était Noël, l'anniversaire de ma petite sœur. C'est très bien, profiter de la famille. Alors ensuite, F4. Voilà pour ça, et ensuite on va commencer à coller des stickers qui vont pas être faciles à coller, j'ai l'impression. Il faut deux petits là. En fait, c'est à 450 km d'où je suis. Ah oui. Profites-en bien du coup. Les stickers, il faut que je colle le 5 et le 6. Donc ces deux-là, donc ce sont les tableaux. Les tableaux dans l'escalier. D'accord. On va s'amuser à faire ça.
Et voilà. Le 6. Bon, ça va en fait. Je pensais que ce serait pire que ça. Et voilà où on est. Ok, on va fixer ça sur la structure maintenant. Alors. Ok, ça y est, c'est fixé. Je fais le 24-12 ou 28-12. Ah bah c'est bien ça, cool. Ok. Voilà, on a la première partie de l'escalier qui est fixée. La partie suivante, il faudra que je mette la caméra du dessus par contre. Ça va être le maximum que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Alors, on va faire la deuxième partie du coup. Fondeur, salut Kemler. Bien joué Kemler, t'es pas en live Kemler? Bien joué pour les points Gryffondor en tout cas. Si si, d'accord, il tombe bien. Alors même chose que tout à l'heure, 3 comme ça. Succès, oui. En même temps, vu que j'ai augmenté les probas pour cette phase-là à 90%, ce serait dommage de perdre. Les trois en Darktan et celui-là.
Voilà, on remet donc du coup les deux suivants. Et on va recoller des stickers à l'intérieur. Cette fois-ci, on va coller le 2 et le 4. Ça va être ces deux-là. RP, bienvenue, comment vas-tu? Hop, et ensuite on colle le 4 de l'autre côté. Trop dormi encore. Moi j'étais en soirée hier donc ça a été. Peut-être pas assez dormi, mais c'est pas grave, je suis en vacances. Hop! Et voilà les portraits pour celui-là. On va venir coller ici. Voilà pour la partie suivante. On est en train de faire donc du coup la tour. Avec bah là, ça va être la partie où il va y avoir les escaliers qui tournent. Ok, on va venir coller ça au-dessus là. Tu connais cette musique? Ah ouais, c'est étonnant. Hein. Alors, hop. C'est sur Lego 2. Direct dessus. Et ah, la tour commence à monter tranquillement. Oui, ça doit être Tomorrow d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est une de tes chansons préférées dans FF. Ok. La number one. Et là, a priori, ça va être, je pense, la salle de bain des préfets qui va être au sommet. Qu'on va faire. Je sais pas si c'est la salle de bain des préfets. C'est ça. La tour, c'est les dortoirs? Non, c'est le grand escalier, la tour, avec le bureau de Dumbledore au sommet, et il doit y avoir la salle de bain des préfets qu'on a dans le Harry Potter 4. Donc la coupe de feu. Kemler, t'as souhaité le bienvenu aussi. Tourne. Hop, ok. Ah,
passer au milieu d'abord. Et ensuite. Là, ça fait penser que j'ai oublié deux petits trucs. Allez, vite fait. Pour la tour. Alors, deux comme ça. Et un nouveau deux comme ça. Du coup, on va coller les 1 et 3. Ça, tu vois, y a Mimi qui est là d'ailleurs. Mimi Guignard. Comment c'est délicat? Ouais, c'est. Donc là, c'est pas sur une surface plane, quoi. Vu que c'est bombé, c'est un peu plus chiant. Ah, pardon. Très bien collé celui-là, mais tant pis, je vais pas pouvoir le récupérer. Voilà. Ah bah c'est ma playlist hein, donc tu dois la connaître. Closing Distance, c'est Endwalker, ça. Non, next. Ultimate. Bah oui, donc du coup, non, c'est pas possible. C'est pas encore sur Spotify. Il semblait bien que c'était pas faisable. Ensuite, on a 4. Mais elle y sera sans doute quand elle sortira sur Spotify. Elle rentrera dans la playlist, évidemment. Tac. Alors ça fait... Ok. Ça fait salle de bain des préfets, mais ça fait aussi la salle des toilettes dans laquelle on peut ouvrir et rentrer dans la chambre des secrets. Donc ça, c'est dans Harry Potter 2. Et la chambre des secrets. Hop, voilà. Et on vient la coller au-dessus.
Alors pour vous donner une idée, on est quasiment à... On est à hauteur du détraqueur ici, hein, déjà. Pour nous donner une idée de la hauteur de la tour. Et je pense qu'on doit refaire le sommet. Ensuite, ça, ça et ça. J'aime beaucoup celle-là aussi. Oui, c'est Answer. FF14, quoi. Oui. C'est la version mélodique. J'ai trouvé d'où elle venait, au fait. Elle vient du tout départ. Il y a la première vidéo de Truth of Flame. Flame of Truth plutôt. Et on va coller ça au sommet. La première fois qu'on l'a entendu, je veux dire, elle a été réutilisée depuis, mais... Ah mince, vous n'étiez pas du tout dans le cadre. Il faut que je mette si loin en fait pour que vous puissiez voir vu que la hauteur. Voilà, on a fait donc toute la l'intérieur de la tour là. Et on va passer au sachet suivant. En pièce en rab, on a ça. Bon, le petit carré transparent là.